Bonjour, mon nom est Geneviève de chez Garde-Robe Gagnon et aujourd'hui, je suis fière de vous présenter l'installation de la grande gagnante du concours Je décore. Quand j'ai reçu l'appel de Geneviève pour me dire que j'avais gagné le super prix, j'étais super contente. Le processus est simple. Dans un premier temps, je me suis déplacée chez Caroline pour prendre les mesures exactes de l'espace aménagé. Et par la suite, on a discuté des différents besoins pour bien maximiser l'espace et rendre son quotidien plus fonctionnel. Ma première rencontre avec Geneviève a été super. D'arriver à mettre en plan mes besoins, d'optimiser le rangement, de pouvoir rêver à ce que j'avais en tête puis de faire quelque chose de beau. Alors, Caroline avait vraiment beaucoup de besoins. Ayant beaucoup de choses dans plusieurs garde-robes, elle avait besoin de rapatrier tout dans son walk-in. Dans cet espace-ci, on avait besoin d'intégrer des espaces pour les chaussures, pour les sacs à main, bien sûr, pour les vêtements courts, les vêtements longs, des tiroirs pour les bas, les sous-vêtements, les bijoux et des vêtements pliés. Pour mon plan d'aménagement, j'ai décidé d'y aller avec un espace tiroir à l'entrée pour vraiment dégager l'ouverture de façon à ce que ce soit plus facile de se rendre vers le fond. Alors, on a opté pour un espace 5 tiroirs pour y mettre les bas, les sous-vêtements, les maillots de bain et les pyjamas et un espace bijoux. Pour la deuxième section, j'ai opté pour un espace avec des tablettes ainsi qu'une porte-miroir pour qu'elles puissent se voir de la tête aux pieds et les tablettes pour ranger des choses qu'on ne veut pas nécessairement voir au quotidien. Pour cette section-ci, j'ai opté pour un espace accrochage court dans le bas ainsi que des tablettes pour les vêtements pliés ou les sacs à main dans le haut qui seront ajustables selon ses besoins. Et si jamais au fil des années les besoins de Caroline changent, elle pourra les retirer pour y ajouter une deuxième pôle dans le haut pour faire un espace de double accrochage. On y a aussi ajouté un petit espace pour faire de l'accrochage pour les vêtements qu'elle pourra préparer pour le lendemain. Dans cette section, j'ai opté pour un espace de vêtements longs. Caroline pourra y mettre ses belles robes, ainsi que des tablettes dans le haut pour pouvoir mettre ses chapeaux. Ici, j'ai mis un espace crochet pour mettre ses ceintures ou ses foulards. Pour la section de double pôle, j'ai opté pour mettre les pantalons en haut, étant donné que c'est moins profond, beaucoup plus dégagé au niveau de la vue, ainsi que la pôle du bas pour mettre blouse, chemisée ou toute autre chose. Pour cette section-ci, j'ai été avec des espaces tablettes chaussures moins profondes pour bien maximiser l'espace, mais que ce soit fonctionnel et pratique. Ces crochets-ci peuvent servir vraiment pour plusieurs choses, mais Caroline, elle, s'en servira pour les longs colliers. En discutant avec Caroline, on a décidé d'y aller avec le traditionnel blanc pour rendre sa pièce intemporelle. Pour les poignets, on a opté pour quelque chose de délicat qui donne un design unique. La journée de l'installation a été vraiment une belle journée. La rapidité auquel ils travaillent, l'équipe du début à la fin, c'est un beau projet. De pouvoir rêver, mais d'arriver avec un résultat pareil, c'était vraiment formidable. Toute l'équipe souhaite à Caroline de profiter de son rangement signé Garde-Robe Gagnon. Merci Garde-Robe Gagnon. Merci!